Bonjour, je m'appelle Christelle Jung, je suis conseillère au sein de l'agence culturelle régionale dédiée au spectacle vivant qui s'appelle Occitanie en scène. Et pour le projet Travessia, je suis en charge de la coordination du réseau de programmation Pyrénées de Cirque. Travessia, c'est donc un programme d'échange entre des partenaires français et espagnols et de mise en relation autour de projets artistiques de compagnie. Ces projets artistiques, donc, ce sont des projets en création qui sont soutenus soit sur des bourses de recherche avec des moyens qui sont dédiés à la recherche, des bourses à la création pour aider les compagnies à créer des spectacles, des accueils en résidence, ce qui veut dire que les lieux accueillent des compagnies sur des temps de résidence, en fait, de recherche et de création pour créer leur spectacle, et ensuite, pour finir, la rencontre avec le public avec des temps de programmation de spectacle une fois que les spectacles sont aboutis. Je coordonne l'atelier avec Laura, ma collègue espagnole justement du réseau transversal, l'atelier de programmation. L'atelier de programmation, le principe, c'est de recevoir des compagnies qui ont présenté leur spectacle, leur maquette hier donc, et de croiser le calendrier des compagnies avec le calendrier des programmateurs et d'essayer de construire des tournées cohérentes pour d'une part réduire les coûts financiers mais aussi l'impact écologique sur le territoire évidemment. Et l'idée aussi, c'est de faire circuler ces compagnies de part et d'autre des Pyrénées, c'est-à-dire que les compagnies françaises ils vont jouer en Espagne et les compagnies espagnoles en France, au même titre qu'un croisement Est-Ouest également au niveau des territoires. L'idée, c'est vraiment de favoriser la circulation des œuvres et des artistes. De mon point de vue personnel, personnel plutôt professionnel, au niveau du réseau, c'est le développement du réseau pour les compagnies, permettre aux compagnies justement d'élargir leur réseau de diffusion et donc leur économie et leur capacité à être visible sur différents territoires et dans différents réseaux professionnels, qu'ils soient cirque, voire plus. Le projet Travessia, moi je pense que c'est vraiment le principe de coopération. Dans la manière de travailler, il y a une vraie approche de la coopération, de l'écoute des uns des autres, des enjeux des uns des autres, et essayer de composer avec les enjeux des partenaires et des artistes et des équipes artistiques, évidemment. Coopération. Et bien pour conclure, un espoir que les artistes et les spectateurs puissent enfin se rencontrer dans une salle pour partager un espace et une émotion.